Bonjour, ici The Apple System et aujourd'hui on va voir comment changer les musiques avec les boutons du volume. Alors en fait, c'est quand vous êtes sur l'iPod et que vous voulez changer de musique, vous avez juste à appuyer sur les boutons du volume. Alors le seul problème que j'ai trouvé, c'est qu'on ne peut pas donc modifier le son pendant une musique, à part quand on est sur pause. Voilà, donc c'est une application qui ne demande aucune source en particulier. Vous pouvez la trouver sur la source de Big Boss. Donc par contre, elle est payante. Elle est sous le nom de... Attendez, parce que je connais pas le nom par cœur. Bon, bah, je vais aller directement dans mes paquets. Voilà, elle est sous le nom de External iPod Control. Donc vous pouvez l'avoir gratuitement via une autre source. Une fois installé, vous redémarrez le Springboard, enfin vous relancez le Springboard. Puis on va tester. Donc on va aller dans l'iPod. Donc on voit que j'ai des musiques. Mince. Donc admettons, on va prendre ceci, hein. Je suis vraiment pif. Voilà, vous voyez, j'appuie sur les boutons du volume. Et hop, ça change. Donc voilà, donc ça rame pas. Donc voilà, donc bon, j'ai peut-être été un peu vite. Donc voilà, mettons vous êtes là. Donc voyez, on peut pas changer le son. Donc on appuie sur pause et là par contre on peut. Donc même en verrouillant on peut. Hein. Mince. Voilà. Donc on peut, il n'y a aucun problème. Donc je pense qu'il y aura peut-être une incompatibilité avec l'application VNLock qui permet de déverrouiller son iPhone avec les touches du volume. Donc voilà. Alors je ne l'ai pas dit, j'ai encore oublié de le dire, excusez-moi. C'est pour les iPhone ou iPod Touch jailbreaké. Voilà. Donc c'était The Apple System. Merci d'avoir regardé ce tuto et à bientôt. Et le lien de mon blog est dans la description de cette vidéo. Voilà, au revoir.